Mais non, on est monté parce qu'il y a notre copain qui est rentré chez lui. À 12-13 ans dans la rue, en plein couvre-feu. Il est 22h30 et c'est le début de la patrouille de nuit pour la police municipale. La vie continue comme d'habitude, malgré les mesures que nous prenons. C'est pas facile de faire respecter ce couvre-feu. Pas de PV pour les adolescents, un sermon et retour à la maison. En ce mercredi soir, le maire de Dimbéa accompagne la police municipale dans sa ronde de nuit. C'est lui qui a demandé à l'État d'imposer ce couvre-feu dans certains quartiers de sa commune. Car ici, dans ces secteurs de logements sociaux, le confinement a parfois viré aux excès. Sono à fond et fête bleue dans la griserie de l'alcool. Mais en ce mercredi soir, après 10 jours de couvre-feu, le calme semble revenu. Pourtant, vers 23h, une intrusion dans un domicile, tentative de cambriolage. Normalement, les gens ne devraient pas sortir, mais la délinquance, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'est pas arrêtée au confinement, elle ne s'est pas arrêtée au couvre-feu. Et c'est pour ça qu'on prend toutes ces mesures et qu'on est là dehors et que ça continue, malheureusement. De la routine, presque. Le circuit aléatoire des policiers les emmène dans ces cours d'immeubles. Vas-y, rentre. Allez, rentre chez toi. Pas facile de vivre confiné dans des appartements souvent trop petits pour de grandes familles. Là, on fait en sorte que tout le monde soit à la maison, qui respecte le couvre-feu, et ainsi qu'on évite tout ce qui serait attroupement et consommation d'alcool sur les lieux publics et pour éviter tout débordement. Pas de récalcitrants. Et au fur et à mesure de l'avancée de la nuit, de moins en moins de monde. Des quartiers qui semblent apprécier la sérénité. On se rend compte sur le terrain, et je vois les rapports de la police municipale, ça calme certains esprits et je trouve que les interventions sont moins importantes que ce qu'on avait auparavant. Seulement 6 contraventions pour non-respect du couvre-feu en 10 jours. Cette mesure forte, qui n'avait pas été mise en place depuis les événements, semble jusque-là assez respectée.